Bonjour et bienvenue, nouvel épisode et sûrement le dernier du NG+. Donc on va continuer avec notre mage. Alors, voyager... J'ai essayé de faire le tri aussi dans l'inventaire, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Je crois que je vais devoir, détruire beaucoup plus. Je sais pas, je vais enregistrer... Ou alors envoyer dans l'entrepôt, j'en sais rien. Enfin, dans l'entrepôt, comme j'avais dit, ça servait pas à grand chose dans Nio. Donc ouais, bataille décisive de Guandu. Et après ça sera le dragon penché Rugi. Je pense qu'avec lui on va peut-être avoir un problème. Si on y va en mage. Ouais, on va peut-être avoir un problème avec lui. Je vais peut-être streamer maintenant le jeu. Je pensais le faire, mais bon, vu que j'avais eu des problèmes la dernière fois, vu que c'était un peu bancal. Maintenant, depuis la mage, c'est quand même très bien. Donc, ouais. Je pense que ça peut être bien. De le streamer. J'aimerais bien que les chargements soient plus rapides, quand même. Ça, c'est un truc que je trouve limite inadmissible, en fait. Je vois pas pourquoi les chargements, ils sont aussi longs. Et sur SSD, on est sur PC, enfin voilà, quoi. Quand même. Il y a des jeux plus demandants qui charge nettement plus vite. On va refaire la même chose. On va prendre Anti. Elle est où? Ah non, elle est pas avec nous. Elle est pas avec nous parce qu'on la retrouve plus tard. Du coup, guerrier allié, qu'est-ce qu'on peut... Ah, accumulation d'altération sur les ennemis, ouais, sans Jiao. Zhang Jiao. Zhang Jiao, t'es ami avec qui? Zhang Liao, Cao Cao aussi. Cao, il donne quoi? Cao, il permet de voir les drapeaux, je crois. Ouais, il permet de voir les drapeaux, c'est vachement bien. Dégâts aux ennemis avec malus. Pourquoi pas? Ah, si on veut les drapeaux, il faudrait faire appel à Cao Cao en fait. M'avoir choisi parmi les nombreux stratèges. Tu découvres mes amis stratèges de personne. Ouais, non, ils ont des. Ils parlent en fait quand ils sont amis, quand ils sont collègues, d'accord? Je crois bien. Ça marche, hein, le coup de sauter. Hein. Ça marche. Non, ça marche. Wow, doucement. Cao, c'est pas interdit de taper. Je te confirme, juste au cas où, si tu pensais que ça allait créer des problèmes. Du coup, de tirer, en fait, avec les... Ça, c'est un trébuchet, ça. Ça, c'est un trébuchet. Du coup, ça fait apparaître des monstres, c'est tout. C'est pas une catapulte, c'est un trébuchet, parce que les trébuchets, ils ont le système de... avec la corde, là. On a le feu. Merde. Ouais,
Ah, il est venu le tigre. Ah. Waouh, t'es pas débile, c'est bien. Quel carnage. Ah oui, le pont. Très bien les mecs. Parfait. Ben, je pense que ce Zhang Jiao, c'est pas le même que Zhang Jiao des turbans jaunes. Hein. Ça aurait pas de sens déjà, mais... Il a pas la même tête. Hein. Il a pas aussi la même puissance, hein. ça c'est sûr. C'est qui? C'est lui. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ah non. Je suis dans le feu. Ouais, bon. Merde, c'est quoi ça? Un porc épique? Allez-y les mecs. Waouh, les sauts qu'ils font les machins. Ah, très bien. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est électrique, je suis bête. Possiblement un des meilleurs builds en fait, comme ça. Celui-là. Enfin, un des builds légers. Je trouve. Ce qui me manquerait, ce serait encore plus de debuff en fait. Se tirer dessus. Ça, il faut le détruire avec celle de gauche, je crois. Je me rappelle plus. Ouais, d'accord. Tuez-le sans toucher l'autre. Merci. Merci, vous êtes superbes, les mecs. Je crois que c'est celui-là. Yes. Ah, trop fort.
Honnêtement, avec les dots qu'il a, il va potentiellement crever par lui-même. Tu peux voir un peu. 45, 50, 26, 30 et quelques, 53, 58, 26, ouais. Ouais, 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 ouais. Très bien. Je crois qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire à l'extérieur. Attends. J'entends un panda. Je crois qu'il est au-dessus. Ah non, c'est le bruit... Non, non, c'est juste le bruit de marcher sur ça. Ouais, bon, après, le reste des objets, on s'en fout. Moi, ce que je voulais, c'est surtout les drapeaux, hein, comme d'hab. Mais ouais, je pense que pour un build léger, c'est vachement bien, en fait. Je pense qu'il est très bon. Après, comme arme, on peut la changer, si on n'aime pas ce que j'ai, là. Merde. Ah merde, je pouvais lui sauter dessus. Je sais jamais à quoi ils sont faibles. Je crois que l'électricité passe facilement. Ah, les singes, je m'en rappelle jamais. Ce serait bête de tomber. Même de faire des magies, même le poison qui fait pas vraiment de dégâts. Enfin, qui fait pas de dégâts. Quand on le met par terre. Même ça, ça détruit l'esprit. Très bizarre. Non, moi il faut que je tourne là-bas. Ah oui, c'est par le bas, je me rappelle maintenant. C'est pas lui qui m'a vu. Ouais, non, il y a un truc d'arme. Il y a un mage au-dessus. Ouais. Oh, et puis, hein. J'ai pas le temps. Mon esprit est pas là. Allez, avance. Merci. Tellement vieux, ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ça, les paroles en plus. Hein. C'est les tailleurs, hein. Je le sais. Ah, il va être relou, lui.
de combattre ici, ouais. Non, ça c'est con. Ah là. J'y vais tellement plus bourrin. Même les... C'est vrai que je me prends même pas beaucoup de dégâts en fait. Au final. Pas énormément de dégâts. Non, d'accord. Mon Dieu. Comme d'habitude, les ennemis ont des sortilèges que nous on n'a pas, ça m'embête à chaque fois. Alors je suis sûr qu'elle fait des trucs qu'on n'a pas. J'aurais bien voulu qu'on ait tout. On va faire l'arène, la sorte d'arène. Avec le gros truc. Je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'est con que j'ai pas la terre. Ah, la foudre reste bizarre ça. Allez, t'es presque... K.O., vas-y, tape. Il reste genre... Oh putain. Il reste rien. Non mais... Les mecs, là, faut arrêter, là. Bon, K.O., on te reprendra après. Hein. Là, tu fais de la merde. Ah, ça serait pas à cause du poison, maintenant que j'y pense. Hein, maintenant que j'y pense, parce que le poison, ça prolonge normalement, je crois. Mais genre j'apprends ça maintenant. Enfin, non, je l'avais... C'est juste mal expliqué, comme d'habitude. Réduit à raison, c'est vrai, mais réduit graduellement. Prolonge également la durée de tout autre malus. Oui, prolonger. Là, ça devient... Genre, ça part plus, quoi. Donc, je sais pas, je trouve ça étrange. Bon, par contre, on a lutté parce qu'on n'a pas notre glace. Quoique, non, lui, il fait de la glace. De toute façon, on n'aurait rien fait. Alors, Zhangjiao... Ça serait bien qu'on puisse avoir Lubu en allié. Ce serait vraiment cool. Alors je sais que ça aurait pas trop de sens, mais bon, quand même quoi. Genre Sun Jian, il est aussi mort et on peut l'avoir. Hein. Bon, ça dépend des missions, mais on peut l'avoir. Hein. Non, si, on peut tout le temps les avoir, ce...
Si on n'est pas dans une mission où on les rencontre, je crois. Genre là, je peux pas avoir la fille parce qu'on la rencontre plus tard. Je m'étais gouré la dernière fois. Attends, c'est par où? Je me rappelle plus. Oh mon dieu. J'avais fait exactement la même chose la dernière fois. Genre, je m'étais perdu. Parce qu'on peut plus revenir en arrière. Ah oui, non, faut monter. Putain, à chaque fois je le vois jamais ce truc. C'est impossible. Là, on a le gros drapeau. Ah oui, faut ouvrir la porte. Je sais qu'on a des objets un peu partout ici, je pense pas que je vais tout faire. Je vais faire ce qui est proche de nous. J'ai vu qu'il y avait un mage. On a un drapeau aussi, je sais plus trop. J'ai pas pu. J'ai appuyé pour le temps. Mais trop tard. Là. Ici. Nickel. Encore deux petits. Je crois qu'on est à jour. Je crois qu'on peut tout simplement avancer maintenant. Par où on monte en fait? Je suis perdu. Allez, on va pas le faire, on s'en fout. Faut que j'aille là en fait. Ah, ah, ah. Ça va, ça va être rapide en fait. Oh les dégâts quoi. Ah, ouais. Merde. Oh là là. Voilà, le jeu il aime toujours pas la glace par contre. C'est le seul truc que le jeu aime plus. Enfin, aime toujours pas, pardon. C'est vraiment la glace. La glace. Les FPS. Ils se font la malle. Hein. Dès que je fais de la glace. Alors. Attends.
yeux qui me grattent. Aïe aïe aïe. On va avancer. Ah là. Oh là là, oh là 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 là, on passe à travers les... En fait, honnêtement, après, le jeu le fait bien, ça, parce que là, on faisait que sauter partout à travers les parois et tout, mais jamais on passe, genre, en dehors du décor. Hein. Genre, je veux dire, genre, on tombe pas dans le décor, dans le vide, on... Enfin, voilà, je trouve que le jeu, à chaque fois, le fait bien. Nioh, c'est pareil. Hein. Dès qu'on faisait une des acrobaties un peu proche de parois et tout, il n'y avait aucun problème. Ça, on peut quand même apprécier ce fait. Donc il nous reste un petit drapeau. Ça, je crois qu'ils sont... il est plus loin. Donc normalement, on est bon. Par contre, il reste quand même trois gros. Voilà. Oh bah voilà. Non, c'est lui qui gardait. Ah non, non, c'est la... Non, c'est ça. Oh la vache. C'est un peu la merde là, non? Quand heureux qu'on peut pas tomber. Hein. Ok, on va voir Yuan Shao. Je pense qu'on peut y aller. Il va avoir encore. Je crois que le prochain petit et les gros, ils sont après. Hein. Je vais juste faire un tour pour être sûr. Il y a un truc qui... Ok, très bien. C'est quoi qui était derrière moi, qui tapait, qui... Quand il marchait, il faisait énormément de bruit. Je me demande s'il est mort, Gua, je sais plus quoi. Là. Le mec qui nous a envahi. Allez. On est bon, c'est parti. Lui, il est très simple, j'ai déjà combattu en quête annexe. Il est quand même super simple pour ce build-là. Poison qu'il faut lui mettre. J'arrive pas à lui mettre le feu. Très résistant au feu. Ah, quoique peut-être il passerait. Mais... Ouais, ça m'étonnerait. Non, non, laisse tomber.
Non mais par contre c'est ça en fait. Si le poison s'enlève, du coup les altérations d'étal devraient partir. On va voir. Enfin, elles devraient partir petit à petit. Oui c'est ça. Putain mais c'est ça en fait. Et là, si je le remets... Mais c'est énorme, en fait, maintenant que j'ai remarqué ça. Je fais même pas attention au combat, je regarde les altérations d'état, en fait. J'adore le fait qu'il ait un fouet et un bouclier, lui. J'adore ses armes. Honnêtement, j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Ça me rappelle Dark Souls, quoi. Non, mais c'est fou, je me suis aperçu que maintenant, du coup, que... Que, en fait, le... Ouais, non, mais... C'est encore une fois, c'est à cause de la description. C'est déjà très compliqué de regarder ce qui se passe pendant les combats. Mais les descriptions, elles sont mauvaises. C'est pas genre prolonge. Enfin, prolongé, oui, ça peut être... Ouais, ça peut tout et rien dire. Enfin, prolongé, genre ça peut prolonger le temps... Ou alors, pendant un temps limité, ou alors ça prolonge indéfiniment. Enfin voilà, quoi, ils auraient pu faire un peu mieux en description, je trouve. Donc du coup, en fait, on n'a pas besoin de réappliquer tous les autres statuts élémentaires. Il faut juste du poison. Genre, on le met une fois tous les éléments, puis après le poison, on le met. Par contre, qu'est-ce qui rend sensible au poison? Parce que ça peut être intéressant. Je crois que c'est la terre. Quantité d'espace. Non. Réduit la résistance à la foudre. Non. Place, flamme. Électrocution. C'est électrocution, ok. Donc l'électrocution rend sensible au poison. Intéressant. J'aurais loupé un grand drapeau. Je sais qu'il y a un drapeau ici, non? Il n'y a pas de drapeau ici? Mince alors. Ah mais en fait non. Oh. Ah bah mince alors. Attends, là-bas peut-être? Ouais, non. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire demi-tour, lol. Bah ouais, non, ça m'embête ça. Oh, enfin, c'est pas grave. Attendez, on va se reposer à ce feu. Enfin, ce feu, vous m'avez compris. Avec de la chance, le jeu nous laissera nous re-téléporter ici. Donc le poison, c'est extrêmement utile. Plus que ce que je pensais. Non, celui-là, là, il est jaune. Faudrait l'invisibilité avec la célérité. Putain, c'est fou d'avoir loupé un... Un gros feu... Enfin, un gros drapeau, quand même. Je suis désolé, hein, de...
de repasser du temps comme ça. Celui-là, on l'a fait là-bas. Ah bravo. Faudrait que le radar soit plus grand en fait. Là. Ok. Donc il manque juste un petit. Tain, c'est incroyable. Comment j'ai pu passer à côté d'un petit. J'étais certain de tous les avoir fait. Il n'y a pas. Celui-là, on l'avait fait. Non, j'ai encore oublié le même. Maintenant, je l'ai fait. Je suis certain de l'avoir fait. C'est par où hein. Celui-là, je l'ai fait. Non, celui-là on l'a fait. Oui, on l'a fait. Donc ouais, non, c'est pas celui-là. Après, en début de partie, il n'y en avait pas. Hein. Non, oh là là, qu'est-ce que ça m'embête ça. Vivement que je les fasse tous, hein, les drapeaux de toutes les... Toutes les missions, hein, comme ça, j'aurais plus besoin de me soucier de ça. Plus là, on est parti pour perdre du moral, ça c'est sûr. Par contre, je vais faire ça. Pas quoi que, non, pas besoin. Mais non, je cherche des drapeaux, merde. Après, je suis pas passé par là. Aïe, 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 aïe. C'est dans quel jeu aussi que j'avais un peu le même... On avait le même système où il fallait genre... Il y avait des choses à activer et tout, et des fois c'était une galère. Fallait revenir en arrière et tout. Genre à droite là-bas, on y est peut-être. Enfin, c'est peut-être pas là. J'en ai peut-être pas activé. On va y aller. Parce que j'ai cru avoir fait cette zone, mais en fait, je l'ai peut-être mal fait. Ah, si, il y en a un là. On aura un deuxième quelque part. Soyez sympa, vous voyez que je galère. Non, ça sert à rien ce que je fais. Oh là là, j'ai du mal à monter en plus. Un truc que j'aime bien, c'est que c'est instantané. Ah putain, on a, ça sauve les gens en plus. Oh là là, c'est trop pété en fait. Il y avait Kao qui était à terre, ça l'a sauvé. Voilà. Ça on l'a déjà fait. Donc du coup on va sur le côté. Oh, ça me rend fou. Ah.
Ça me rend fou. C'est les missions d'histoire, c'est pas des trucs que je vais refaire. Sauf si c'est bon bah en coop quoi. Mais sinon, jamais je les refais. Trop chiant. Trop chiant, trop chiant. Trop long. Trop long et ouais, juste compliqué quoi. Ouais, non, là, lui, on l'a fait. Oh là là, ouais. Aïe aïe aïe. Ça me rend fou. Il est là. Ouais, lui il est bien caché par contre, hein, parce que il est très très loin du centre, du coup on voit pas quoi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un objet par terre, on s'en fout. Ouais, genre là en fait on le détecte pas avec sur le radar. Oh putain. Spray quoi, il faut que spray. Juste pour faire chier. C'est bon, on peut enfin finir. Bon, avec ce build là, ça devrait bien se passer. Le grand méchant là, on va le défoncer. Enfin, peut-être à la limite en humain il va être relou. Il risque de nous one shot en fait, il va faire super mal et j'ai pas de défense. J'ai pas de force. Pas de force de... Comment ça s'appelle ? De terre. J'ai tout esquivé apparemment. J'ai du mal à le mettre le poison. Ouh, presque. On va le tuer. Elle est tellement pratique cette attaque, en fait, pour l'attraper, le mec. Oh merde. Ah. Elle est tellement super pratique cette attaque pour l'attraper, parce que quand les gens ils se téléportent comme ça. Oh, oh pardon. KO, KO. Oh merde. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas lui mettre des altérations d'état. Oh la vache. D'accord. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Pas ça non plus. C'est ça. Je vais spammer de ça. Normalement, si je fais... Ouais, non, ça marche pas. Hein.
Oui. Ah d'accord. Un coup d'aile en fait. Ça sert à rien. J'arrive pas à le toucher. Ah Zhang Jiao. Oh mon dieu, comment t'es loin Zhang Jiao. Peut-être y arriver. Hein. Yes. Un truc qui est bien, c'est qu'on peut faire la magie de super loin. Je crois que c'est plus loin que Nioh. Ça, c'est une bonne chose. Oh merde, il y en a une à côté de moi. Genre de là-bas. Oh, je peux faire de là-bas. Enfin, je peux... Ouais, en fait, ça vraiment, ça invoque, en fait, au-dessus de la tête de l'ennemi, quoi. C'est ouf, hein. Non, c'est vachement bien. Hein. J'arrive pas du tout. D'accord, je voyais rien, donc bon, c'est un peu compliqué. Hein. Ah, il m'a tué. Ouais, il a pas de... En fait, il a pas beaucoup de vie. Hein. On fait que 8 et on fait d'énormes dégâts sur sa barre. C'est vraiment le mec gimmick, en fait. Ah, voilà. Où il faut faire des attaques comme ça. Enfin, la boule qui est juste à côté. Voilà. Très bien. Ouais, même lui, il reste stunné, en fait, très longtemps. Bon bah c'est bien. C'est bête, je crois que j'ai pas eu la l'épée en fait. En 4 ou 5 étoiles. Je sais que j'ai une partie de son équipement par contre. Et bon, c'est pas grave. C'est le truc de Guan Yu. Coiffe du taoïste maléfique. C'est pas mal ça. Ouais, ouais, ça c'est pas mal. Parents, merveilleux ennemis. Ça c'est la version. La version dégâts en fait. Mais je sais pas, c'est vraiment très utile en fait de. De mettre des dégâts, parce que les dégâts ils sont pas top, déjà de base, donc bon. Je sais pas, on pourrait faire des tests, genre pur dégâts, est-ce que ça reste potable ou pas? Ou alors c'est mieux d'accumuler tout simplement. Parce que si c'est mieux d'accumuler avec des dots, c'est mieux, hein. C'est plus tranquille quoi. Alors, ça c'est un peu nul. Allez! Dernière mission. Le dragon penché rugit. Euh,
Lui, il risque de... Ouais, non, il risque d'être lourd. On va voir. Ah non, il risque de me faire extrêmement mal. On va peut-être devoir quitter. Enfin, de toute façon, j'ai utilisé tout mon ki, ça va. Donc, je peux le perdre à la limite. Mais je pense qu'on va peut-être devoir se changer en tank, là, en briseur d'esprit. Parce que j'ai peur qu'il me one-shot ou alors qu'il me tue avec un seul enchaînement, des trucs comme ça. Attends. Vous entendez ça? Je crois que c'est le bruit de flammes. Parce que dans cette zone, il y a des flammes normalement, au début du jeu. Je crois que c'est ça. Je crois que le son le son, il n'a pas été retiré. Allez. Je peux lui mettre des debuffs. Si je peux lui mettre des debuffs, ça passe. Je me rappelle plus en fait. Poison, c'est... Ouais, c'est compliqué. Aïe! Ouais, il récupère du bleu en plus quand il fait ça, ça c'est con. Je peux le faire tomber? Ah merde, il one shot quand il passe à travers. Ouais, Ah, si je peux pas lui mettre de poison, c'est un peu relou. Parce que ça a l'air d'être très compliqué déjà de lui mettre des altérations d'état. Je pense qu'en briseur d'esprit, ça va être beaucoup plus simple. Là, il va peut-être me falloir quelques tests. Quelques fois. Ouais, non, mais j'ai pas envie de me faire chier. Non, ouais. Sinon, ça va durer genre une plombe. On va faire ça, on va changer en briseur d'esprit. Comme ça, on a juste à se protéger et juste taper avec l'épée, et puis basta, quoi. Et puis basta. Ça qui est chiant là de devoir chaque fois repartir là. Le problème c'est que c'est pas les mêmes stats en fait, c'est pour ça que je dois re revenir ici. Alors, quoique, maintenant que j'y pense, peut-être que. Maintenant en fait j'aurais pas besoin. Parce que ça me change les stats, ouais. Mais par contre, c'est pas le même niveau. Je crois. Attends. Oui, voilà. Vertu non assignée, 5. Bon, c'est que 5, hein. Donc c'est pas trop grave, mais... Ouais. Une fois que je serai au max, ça c'est bien. Parce que, du coup, j'aurais plus à me soucier de ça.
Genre si mes builds en fait ils sont trop vieux. Genre si je les ai pas mis à jour depuis un petit moment. Du coup j'aurais pas de vertu pas utilisée. Quoique attends mais je suis... Ah non non la vertu non utilisée on peut l'utiliser que là. On peut pas l'utiliser en montant de niveau. Enfin je crois pas en tout cas. Si on peut bah peut-être que ça passe. Je sais pas. Tu vois je me prends la tête quoi. Mais bon, si le jeu pouvait être plus clair aussi des fois. En tout cas, on est de retour avec notre gros bourrin. Donc là, on va lui casser l'esprit. On va juste se concentrer à bien mettre le debuff d'esprit là. Comme ça, il en perd encore plus. Le poison... Ah, on va taper poison maintenant, donc peut-être que ça passe mieux. Mais je suis pas sûr. On a de la terre aussi. Le feu, bon, ça avait l'air compliqué. Attends, on a 800 HP, ça va, c'est cool. Oui! J'aurais dû me buffer. Oh, c'est pas grave. Aïe aïe aïe. Pourquoi j'arrive pas à te stunner des fois? Oh mon dieu, mais ma vie. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Mais arrête de sauter partout. Très bien. Non! Quoi? Comment ça? Peut-être trop tôt en fait. Ouais, allez, 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 on va lui dire, on va dire que c'est trop tôt. On va changer d'esprit vite fait. Genbus, c'est quoi? Genbus, c'est pour la distance. Ça n'a pas de sens. Pour moi, Genbus serait une tortue extrêmement résistante. Mais bon. Ouais, pour le tanker, c'est ça. En fait. Ou alors on détruit. Non, je vais prendre le tigre. Comme ça, on détruit encore plus son ki. Non, pas son ki. Son... Bayou. Dégâts d'esprit. Ouais. Pas son ki, son esprit. Pas du tout ça. C'est ça que je veux. Mince. Vache quoi. Tiens, ça prendra. Il a fait très mal par contre. Pas bloqué, il va me tuer, putain. Oh là là, il va me gaver. Je savais que lui, il était plus dur que tout le reste. Je savais que lui, il allait être relou. Mais je crois qu'il va falloir que je joue défensif, en fait. Que je le fasse un peu stratégique et pas bourrin, parce que là, ça passe pas. Super, bien joué. Ouais, d'accord, ok. Ah, elle était belle celle-là, tiens. Aïe, aïe, aïe.
ça prend trop de temps, je couperai. Yeah!
Donc c'est sympa. Je crois qu'il y a des moments en fait de combo qu'on peut faire. Bah je parlais pas en fait pendant le combat hein, parce que du coup je savais pas si, si ça allait fonctionner en fait. Mais vous avez vu, il y a des moments où en fait quand le stab, quand le poignarde là, il perd en fait son pouvoir de ne pas bouger en fait quand on le tape. Et il tombe par terre. Donc quand le poignarde en fait, en gros il faut parer les attaques rouges au début, jusqu'à ce qu'il tombe, hein, évidemment. Bon avec nous ça va, avec trois attaques à peu près, on arrive à détruire son esprit. Dès qu'il tombe, je faisais l'impact tonitruant en fait. Du coup ça lui mettait le debuff et j'essayais d'augmenter la barre orange de son esprit, enfin le baisser plutôt. Baisser son esprit au maximum que je pouvais, le temps qu'il se genre se revole là vers enfin, loin de moi et tout ça et qu'il commence à re-attaquer. J'essayais de faire ça en fait pour gagner un peu de temps en fait à chaque fois. Et ça a bien marché, ça va, c'était très potable. Le système, non ça c'était très potable. Aussi son esprit quand il est stunné là, quand il est étourdi, l'esprit qui est en blanc du coup il met beaucoup de temps en fait à baisser et j'ai le temps de me buffer en fait, j'ai le temps de faire l'essence, la protection, la carapace et tout ça, j'ai vraiment le temps de faire tout ça, donc ça c'est bien et du coup ça me met dans le rouge, moi ça me met à moins 1000 mais vu que je le poignarde du coup ça me reset mes trucs, donc enfin mon esprit, donc ça c'est bien. Ouais non ça fonctionne bien mais il faut connaître ses patterns honnêtement c'est vraiment connaître le pattern par cœur. Il a un moment il fait un enchaînement de trois attaques rouges avec notre équipement on peut plus ou moins l'étourdir au bout de deux donc ça c'est bien pour nous aussi donc ouais détruire l'esprit c'est pas mal hein. Ça aide énormément donc ouais on a gagné quoi? Gantelet de précipitation, c'est quoi ça? C'est le tir. Ça, c'est de la merde. Ouais, il n'y a pas grand-chose de bien. Eh ben voilà, c'est la fin. Je crois que j'ai coupé, hein, parce que j'ai fait quelques combats. Attendez que je regarde. C'est à quel moment? À 1h02, ça fait 1h24. Ouais, il y a au moins 10-15 minutes d'essai en fait, quand même. Donc j'aurais pensé à couper, je pense. Donc ça va, ça n'a pas duré trop longtemps en fait. Voilà, en gros le combat, en tout, on a fait une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes en tout, depuis le début, donc ça va. C'est très très potable. Dire qu'il y en avait qui n'arrivaient pas. Genre la démo, il y en a qui apparemment passaient 25 heures pour passer le premier boss. Je sais pas comment on peut jouer au bout de 25 heures. Continuer à jouer au bout de 25 heures, c'est fou. Moi je pourrais pas. Ça me rendait fou. Et j'ai envie de dire, plus j'utilise les animaux de totem, plus. Tiens, il y a eu un petit lag. Plus j'ai l'impression que celui-là, c'est le meilleur en fait. Parce que. À la différence de Nioh, je pense, hein, si j'ai bien fait attention, c'est que les animaux totems, en fait, on récupère en fait de la jauge quand on tape, quand on se fait taper, quand on tue, quand on fait à peu près tout, en fait. Donc même taper, ça marche. Et du coup, ben, on peut l'avoir plusieurs fois dans un combat. Si le combat dure longtemps, on peut l'avoir plusieurs fois dans un combat. Donc. Et ça, c'est ça la différence. Je crois que dans Nioh, il fallait vraiment tuer les ennemis. Je pense pas que juste taper, ça marchait. Donc, ouais. Donc, du coup, ben, Yinglong, on peut la. Parce que moi, je l'ai déjà eu plusieurs fois dans un combat. Je l'ai déjà eu deux fois, maximum, dans un combat. Et j'ai zéro. Alors, attendez, c'est quoi? C'est genre augmentation de l'animal totem, là. Je sais pas combien de temps. Combien de pourcents c'est. Intégrer. Sur un truc d'armure à la con. Je sais pas si on peut le mettre sur toutes les parties d'armure ou alors si c'est juste une ou seule ou deux. Parce que si c'est plusieurs parties d'armure, honnêtement, moi je suis prêt à.
suis prêt à en mettre partout, hein. Dégâts sortilèges, dégâts éléments, dégâts flammes. Gain d'esprit. Alors attends, là, gain d'esprit, consommation d'esprit. Gain de points. Gain de morale. Ça aussi, il faut que je teste un gain de morale, genre un full gain de morale, pour voir si c'est utile. Gain de jauge d'animal de totem. Si on peut mettre ça partout. Si on peut mettre ça partout, ça peut être intéressant. Genre on gagne un, je sais pas, un 10-15% d'animal de totem. Parce qu'honnêtement, ils montent vite. Ils montent très vite. Donc bon. Ça fait quoi, ça? Ça augmente les dégâts au PV infligés quand les PV sont complets. Ah oui, ça, oui, c'est vrai que ça c'est utile, ça c'est pas mal. Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je vais voir. Je vais voir si on peut faire un build genre presque invincible. Parce que là, je voudrais bien faire peut-être la durée. Parce que si on peut l'enlever par rapport... genre si j'enlève toute la durée du malus et que je mets régène de totem, honnêtement, ça serait vachement bien. Ça nous rendrait techniquement invincible. Genre si vraiment... parce que nous, on est très résistant en fait, en tant que tank. Et on tape pas mal de fois parce qu'on est toujours au contact. Donc en théorie, notre jauge devrait monter très vite. Si on se fait bolos par des monstres et tout ça, sans bien sûr mourir évidemment, mais du coup, notre barre de totem devrait augmenter très vite. Voilà, c'est ça. Ça, faudrait tester ça. En tout cas, ce sera tout pour notre épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Je pense que je vais faire du stream, en fait, moi maintenant, sur Oolong. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a juste quelques missions à faire. Il me reste vraiment plus rien. Là, on a tout fait. Bah déjà, j'ai tout fini ça, en fait. Par défaut, parce que je les avais fait. On a 97% point 8. Plan de bataille dominé. Donc, ouais. À la prochaine. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé. Et ciao, ciao. On va partir sur une émote. Allez vous reposer, les gens. Voilà. J'ai que ça à dire. Allez vous reposer. À la prochaine, ciao.